mal. Parce que je n'aime pas les signes de débilité mentale. Je décline en mon âme et conscience les offres mirifiques de tous les candidats à une demande que personne n'a encore réussi à formuler. Et pas besoin d'ego démesuré pour battre la mesure, ni de pantins déguisés pour nous initier le sens de la démesure. Pour eux, il s'agit de relever le défi de sa majesté le moi, d'inscrire leur nom dans la mémoire des hommes qui resteront toujours anonymes. Nous autres amnésiques, nous ne retenons pas tout, fort heureusement, parce que la prose du monde mérite d'être jetée aux orties. Où sont donc passés ceux qui œuvrent et se mettent en œuvre? Où sont donc passés les philosophes, les poètes, les vrais romanciers? Non pas ceux qui boitent et déboitent, ceux qui possèdent et dépossèdent, qui gèrent et sont aux affaires, mais ceux qui créent. Où sont donc passés les créateurs? Ceux qui rendent possible le libre jeu de l'imagination. Car les créateurs ne sont pas électeurs, mais électrons libres. Ils ne sont, ne seront jamais les élus du peuple et ils n'y prétendent pas. Ils ne favorisent personne, ils ne valorisent que leur propre talent qui consiste à bâtir du neuf en faisant table rase de tous les châteaux bâtis sur du sable. Oui, oui, nous avons un besoin urgent de nouvelles tables de valeur, un nouveau bien, un nouveau mal, d'une toute autre laideur, d'une toute autre beauté, d'un nouveau sens du juste et de l'injuste. Oui, nous avons besoin de créateurs qui font et feront signe vers le